Et au début, c'était de la science-fiction. C'est ce qu'on nous a dit. Ça avait été déjà fait auparavant ? Non. Donc, en gros, du côté patient, c'est presque rien. Ils viennent à l'hôpital, ils font un don de sang, ce sang va aller dans la machine, et la machine va essentiellement séparer les bonnes cellules, les fabriquer. Après environ 10 jours, le patient reviendra à l'hôpital, recevra ce sac de ses propres cellules T qui vont cibler son cancer, l'injectera, et ensuite, en quelques jours pratiquement, les cellules attaqueront le cancer et le cancer sera éliminé. Israël brille vraiment lorsqu'il s'agit de recherche et de développement technologique, et plus particulièrement dans le domaine médical. Nous avons créé un écosystème dans une communauté qui met rapidement et efficacement sur le marché des technologies qui sauvent des vies. Ce n'est pas seulement important, ce n'est pas seulement unique, cela change radicalement la vie des personnes concernées. D'après les gros titres que nous avons lus, cela semble incroyable, cela semble fantastique au point de relever de la science-fiction. C'est donc plus tangible et plus vrai que vous ne le pensez, mais oui, cela ressemble à la science-fiction. Vous avez les personnes les plus compétentes du monde entier qui se retrouvent dans ce laboratoire. À mon avis, oui. Il y a un besoin dramatique, les gens meurent. Il existe une thérapie, mais nous ne la rendons pas disponible. Maintenant, il n'y a plus de limitation. Nous sommes connus pour notre esprit imaginaire, pour combiner des domaines qui ne fonctionneront pas nécessairement. Mais c'est le sionisme. Nous n'avons pas peur de prendre le risque, même si le résultat sera un échec. Et alors ? Vous échouez, vous commencez une autre idée que vous avez. La biotechnologie est ce qui se passe lorsque la technologie est basée sur la biologie. Les chercheurs dans ce domaine utilisent des matériaux biologiques pour développer des produits commerciaux. Tous des produits pharmaceutiques et des vaccins au stylo à insuline à contrôle rapide et au stent cardiaque. La biotechnologie est une pierre angulaire des soins de santé mondiaux. Et vous l'avez deviné, Israël est un leader mondial dans le développement d'appareils médicaux à fort impact qui sauvent des vies. Nous sommes en route vers le nord en direction de Haïfa pour visiter le Technion, qui est l'un des instituts techniques du pays et aussi une université connue dans le monde entier pour ses prix Nobel et de nombreuses autres innovations et découvertes. Nous allons rencontrer la professeure Marcel Marlouf, qui, d'après ce que j'ai entendu, est l'un des principaux chercheurs dans le monde de la biotechnologie. Je veux dire, le travail qu'elle fait est vraiment révolutionnaire. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est votre laboratoire ? Oui, c'est une partie de mon laboratoire. Et j'ai 20 étudiants ici. D'excellents étudiants qui font le travail. Je faisais autrefois ce travail. Maintenant, vous pointez du doigt et vous leur dites quoi faire. Oui. Je veux donc me plonger un peu dans certaines des recherches révolutionnaires auxquelles vous participez. Et peut-être vous pouvez commencer par les gros titres et on pourra ensuite passer aux détails. Eh bien, c'est difficile. En général, mon laboratoire est divisé en deux. Une partie est l'ingénierie tissulaire. Et en d'autres termes, construire des organes dans le laboratoire, comme vous le voyez ici. C'est cultivé en labo. C'est cultivé en laboratoire, d'accord ? Tout le matériel, par exemple, dans le cas des os, il y a beaucoup de cancers des os qui mangent une partie d'os. Une fois que le médecin a enlevé la tumeur, vous avez un trou. Maintenant, vous pouvez faire un scanner du trou, vous le transférez à une imprimante qui peut imprimer la partie manquante, mais à partir de quel matériau ? D'un matériau que nous avons isolé à partir d'un porc. Donc ce n'est pas un implant, vous aidez le corps à se régénérer. Exactement. Incroyable. L'autre projet consiste à développer des véhicules pour traiter le cancer. Des véhicules qui peuvent cibler le médicament sur la niche tumorale. Nous prenons donc des cellules que nous avons tous et nous vidons leur contenu. En les réduisant à des particules qui peuvent être remplies par le médicament de notre choix. Une fois que les particules sont injectées dans la circulation sanguine, elles circulent. Si vous avez une tumeur, elles vont s'accrocher à la tumeur. Pourquoi ? Parce que la tumeur signale à des cellules spécifiques de venir et d'aider à échapper à la réponse immunitaire. Alors, pourquoi ne pas prendre cette membrane, seulement la surface extérieure, et en faire un véhicule, un bus qui peut amener le médicament à la tumeur ? Et au début, c'était de la science-fiction. C'est ce qu'on nous a dit. Ça avait été déjà fait auparavant ? Non. Certains des développements les plus importants réalisés aujourd'hui sont ceux liés aux technologies qui sauvent des vies. Celles qui améliorent directement la qualité de vie des gens dans le monde.
Mais une grande partie de cette recherche et de ce développement n'aurait pas lieu sans la coopération d'hôpitaux comme celui-ci et des instituts de recherche du pays. Certaines des choses que nous avons vues sont vraiment incroyables. Des maladies qui, il y a peu de temps encore, auraient tué des gens ou laissé des séquelles peuvent maintenant être enfin guéries. Ce sont des technologies qui sauvent vraiment des vies. Faisons un zoom arrière pendant une minute. Ma compréhension de base de ce domaine, la pratique médicale générale, c'est de bombarder tout le corps de la personne malade avec, le médicament. Avec des médicaments qui détruisent la tumeur dans une certaine mesure, mais aussi une tonne d'autres choses. Mais je pense que le gros titre, et corrigez-moi si j'exagère, c'est que vous avez trouvé une façon révolutionnaire d'administrer des médicaments aux patients atteints de cancer. À mon avis, oui. Mais laissez-moi vous féliciter en tant que personne extérieure qui a discuté de deux éléments qui sont chacun perturbateurs de l'industrie. Oui, mais c'est le ternium et la recherche, et je suis un exemple de ce qui se passe ici. Le ternium est vraiment une merveille. Il y a une raison pour laquelle c'est l'une des meilleures universités du monde, et la professeure Marlouf m'a expliqué pourquoi. Le ternium a été construit il y a plus de 100 ans, avant la création d'Israël. Et il a été construit parce que nous savions que nous devions construire notre pays et que nous avions besoin de transports, de routes et d'autres industries qui assureront la sécurité d'Israël. L'industrie de la défense en Israël est leader dans le monde. Pourquoi ? Parce que vous en avez besoin pour votre survie. Donc vous devez l'accélérer. Vous devez mettre des fonds. Vous devez mettre votre esprit pour sortir des sentiers battus. Nécessité. De même dans le domaine de la biotechnologie. Nous comprenons aujourd'hui que c'est le domaine dont nous aurons besoin pour notre survie. Pas seulement en Israël, dans le monde entier. En Israël, nous croyons à l'académie. C'est pourquoi vous avez tant d'universités. Cette université est très unique dans le sens où il y a juste une très longue liste d'innovations qui sont sorties et sont devenues des produits qui valent d'énormes sommes d'argent. Exactement. Comment est-ce arrivé ? Je pense que nous sommes le seul institut d'ingénierie au monde qui possède une école de médecine. Ce n'est pas que nous ayons une collaboration avec l'école de médecine, mais aujourd'hui nous savons combien c'est important, parce qu'alors nous pouvons parler. Notre faculté est un excellent exemple, car il s'agit de la biotechnologie et de l'ingénierie alimentaire. Vous pouvez avoir la biotechnologie, mais ajouter le mot ingénierie est très important. Cela signifie que vous concevez des processus, non seulement pour développer les processus ou les comprendre, mais aussi pour les transférer à l'industrie. Alors que Marcel et le Ternion alimentent l'industrie avec des innovations qui changent la vie, ils sont que la première partie de l'histoire. Il faut des partenariats avec des entreprises du secteur privé pour utiliser la recherche et créer des produits commercialisables. Comment ça va, Ohad ? Très bien, merci. C'est un plaisir de vous voir. Alors, c'est ici chez vous ? Eh bien oui, c'est d'ici que je passe la plupart de mon temps. Alors, où sommes-nous dans le pays ? Nous sommes dans le nord en Galilée. C'est un tout nouveau parc de haute technologie qui essaie d'amener les industries de haute technologie et de biotechnologie dans le nord d'Israël. C'est le docteur Ohad Karnieli. Sa société, Avda Bio, met à la disposition du grand public un traitement révolutionnaire contre le cancer. Il y a environ 30 ans, à l'Institut Weizmann, des scientifiques israéliens ont mis au point une nouvelle thérapie anticancéreuse extrêmement efficace, mais n'ont jamais trouvé le moyen de la rendre facilement accessible aux patients. Le docteur Ohad Karnieli et son équipe travaillent dur pour remédier à ça. Incroyable la vue. Ouais. Vous faites quelque chose d'extraordinaire ici. Quelque chose qui va être révolutionnaire, quelque chose que nous allons lire pendant de nombreuses années à venir. Donc oui, quand on regarde le cancer, c'est une maladie très compliquée. C'est une maladie personnalisée. Donc la maladie semble différente chez chaque patient différent. Alors comment fonctionne-t-elle ? Eh bien, nous avons dans notre corps des cellules qui savent attaquer des cellules malades. Le système immunitaire ? Oui, ça fait partie du système immunitaire. Nous ne devrions pas avoir de cancer, mais quelque chose se passe mal et ne fait pas ce travail. Donc ce que nous faisons, c'est prendre un échantillon du sang, isoler quelques-unes de ces cellules, les modifier pour identifier le cancer spécifique de ce patient spécifique, envoyer une armée de cellules T du patient vers ce cancer et pratiquement le cancer est éliminé. Pour de bon ? Pour de bon. En un seul coup ? En une seule fois. C'est incroyable. Maintenant vous vous demandez probablement pourquoi est-ce qu'il y a encore des gens qui meurent. Parce que ce médicament a été approuvé il y a 3 ans. Et la raison est qu'il est presque impossible à fabriquer parce que c'est un médicament unique par patient. Parce que c'est par personne. Oui, et c'est là qu'Advat Biotechnology entre en scène. Alors est-ce qu'on peut voir comment cette machine fonctionne ? Oui, allons dans le laboratoire. Génial.
Donc, en gros, du côté patient, c'est presque rien. Ils viennent à l'hôpital, ils font un don de sang, ce sang va aller dans la machine et la machine va essentiellement séparer les bonnes cellules, les fabriquer. Après environ 10 jours, le patient reviendra à l'hôpital, recevra ce sac de ses propres cellules T qui vont cibler son cancer, l'injectera et ensuite, en quelques jours pratiquement, les cellules attaqueront le cancer et le cancer sera éliminé. Donc vous avez essentiellement construit un laboratoire dans une boîte. Un laboratoire avec le scientifique dedans. Ah ouais. Donc au lieu de cette chose, vous auriez eu une salle pleine de gens en costume, travaillant sur des petites fioles, tout se passe dans une machine. Quelle taille d'installation cela remplace-t-il ? Cela remplace environ une équipe de 5 à 8 personnes, 2-3 pièces, donc une réduction considérable. Je regarde la quantité d'informations surveillées en direct, c'est important. Oui, et c'est la différence majeure par rapport à tout le reste. Parce que si vous voulez prendre le cerveau d'un scientifique et cet art, et en faire un processus, vous devez avoir beaucoup d'informations, et ensuite calculer à partir de celle-ci, quelle est la prochaine étape à faire. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Nous avons prouvé le produit, nous savons qu'il fonctionne, l'année prochaine, nous allons faire un pilote, et j'espère que l'année suivante, nous commencerons la production de masse, nous augmenterons tout, nous commencerons à soutenir ces thérapies dans le monde entier. Les implications du travail du Dr Carnielli sont plus qu'incroyables. Et de la conception à l'application, cette technologie est 100% israélienne. Pendant ce temps, le professeur Mahlouf applique ses dernières recherches en biotechnologie aux industries de pointe. Le chemin vers le succès n'est pas facile, mais pour le professeur Mahlouf et le Dr Carnielli, il n'y a aucune autre solution. C'est une industrie à haut risque, mais haut risque est synonyme du mot « entrepreneur israélien ». Nous aimons avoir des défis, nous aimons le haut risque et nous n'avons pas peur de prendre le risque. C'est un cadeau de travailler sur quelque chose que l'on sait affectera la vie des gens. Tout cela dans le petit pays du Moyen-Orient qui se trouve être la patrie du peuple par lequel Dieu a promis de bénir le monde entier. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.